Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La raison de ces salutations en arabe à découvrir dans quelques instants. Mesdames et messieurs, bonsoir, dites à tous et bienvenue dans votre émission. On est là, nous envoie dans un autre monde ce soir pour la découvrir. Ceux qui sont des héritiers, sinon les adeptes de cette religion, l'islam, sinon ils sont également des héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va découvrir un de leurs ici qui est en plateau, qui a accepté aussi de passer dans ce scanner de votre émission. On est là. Des questions qui fâchent vont arriver. Le parcours de l'homme en question, et pourquoi pas, on joue avec ce monsieur immense. Il a accepté d'être le nôtre. Merci à toutes et à tous. Bienvenue et bienvenue également à ce plateau charmant avec la charmante demoiselle qui est là. Le jeune te va bien. Bonsoir. Merci, Jélil. Bonsoir à toi et bonsoir à nos charmants téléspectateurs qui nous retrouvent ce soir encore pour un autre numéro de On est là. Voilà. Bonsoir, Dixon, je t'ai pas oublié. Ah, bonsoir, comment tu vas? Je vais très bien, Jélil. J'espère que tu vas bien également. Je bien. Joli chapeau, joli écharpe. Ouais. Très bien. Merci très beaucoup. Bonsoir aussi aux chers téléspectateurs. J'espère que vous êtes scotchés, calés, câblés pour cette aventure. À plusieurs couleurs qui va encore commencer. Et nous, on est là, comme toujours, on est prêts. Nous sommes également là. Ouais. Super. Les téléspectateurs, ils sont là, ils sont en train de nous suivre, bien qu'on a un autre invité. Oui. Comme je l'ai dit tantôt, ils sont des héritiers de ce prophète. Oui. Vous le connaissez, non? Nous le connaissons. Voilà. On peut commencer? Oui, il n'y a pas de souci, c'est quand tu veux. Merci beaucoup. On commence l'émission comme ça avec, disons, le portrait de l'invité et juste derrière, le jingle. Le portrait de l'invité, le temps aussi d'installer notre invité ce soir et cela va se faire avec la complicité de la charmante demoiselle La Blanche. Bonsoir à toi et bonsoir à tous nos amis téléspectateurs. Je me fais l'immense honneur, l'immense plaisir de nous présenter notre invité de ce soir. Et comme on est dans le monde islamique, pour ceux qui ne savent pas, je vais un peu donner une définition de l'islam, qui est une doctrine abrahamique qui se base sur Abraham et prenant sa source dans le Coran et qui se veut une religion qui consiste à adorer un seul Dieu. Et c'est quoi un imam d'après toi? Un imam, selon moi, c'est comme un prophète, hein? C'est comme un héritier de cette religion qui transmet quelque chose, en fait. C'est ça, c'est un guide spirituel. Okay. Tous ceux qui sont des guides hein, qui nous permettent de vraiment prendre notre force sérieux. Si tu dévis, c'est lui qui te rappelle le cadre. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. Pourquoi ne pas me poser la question si qu'est-ce que tu sais? Je sais que tu sais. Donc, j'allais dire, c'est ceux qui ont volé les habits, les chapeaux, tout de Mambi. Ah, ok. Ah, ça, je ne savais pas, donc c'est toi qui m'informe. Même Google n'a pas cette définition. Je ne sais pas où tu sens, tu sens cette définition. Moi, je ne l'avais pas. Un imam est une personne qui dirige la prière en commun. Et c'est une personne de référence, une personne qui doit être instruite en ce qui concerne les rites et les pratiques au quotidien de l'islam. C'est normal, quelqu'un qui est devant doit vraiment connaître ce qu'il vient à apprendre aux personnes qui le suivent. Donc, comme cette personne doit être vraiment instruite, avoir des notions en théologie, tout ce qui concerne l'islam, notre invité a fait des études en théologie à l'université islamique de Médine en Arabie Saoudite, d'où il sort d'une licence en théologie dans les années 84-85. Il y a des personnes qui n'étaient pas encore nées. 84-85. Je ne suis pas sûr que nous qui sommes ici en plateau, non. Bon, en tout cas, j'étais pas né. Je ne veux pas donner des précisions sur mon âge. Mais ça reste un suspense. Il a un bagage intellectuel très riche, ce qui l'amène à des fonctions comme enseignant d'arabe de ressortissants libanais en Côte d'Ivoire entre 1990 et 1997. Hélas, mais tu comprends. Hélas, pourquoi? Non. Ok, d'accord. Jean, il était déjà né, quoi. Voilà. C'est vrai. Bon, mais continuons. Voilà. Traducteur arabe français à l'ambassade de la Grande Jamaïria, arabe libyenne, populaire et socialiste en Côte d'Ivoire entre 1995 et 1997. Voilà. Toujours pas né.
Au Sénégal, des enfants de diplomates libyens à Lomé, selon le programme de l'école libyenne à Lomé, entre 1997 à 2000, l'âge technique. Imam de la grande mosquée d'Agoé à Djouba, il a été aussi adjoint à l'imam central de Lomé, membre de l'académie FIGH internationale de Djidja en Arabie Saoudite, membre de la commission chargée des affaires matrimoniales de l'Union musulmane du Togo, UTM, président de la fondation Mohamed VI des Oulémas. Des oulémas, c'est ça non? Des oulémas africains section Togo, fondateur de l'association Mouvement d'Action Sociale pour la Jeunesse et de Développement au Togo, MAZIT. J'ai l'immense honneur de vous présenter notre, notre imam, Cheikh Baki. À l'état civil, c'est Mamadou Abdou Baki. Voilà. Mais ça mérite des ovations. Naturellement, le parcours, il est long, il est vraiment riche. Je vous l'avais dit, c'est un homme qui a beaucoup de bagages intellectuels. Donc voici tout ce qu'il a pu faire, et ça ce n'est même pas tout. Lorsqu'il sera là, on va encore égrener tout ce qu'il a fait jusqu'ici. Pour avoir plus d'informations, sinon, plus de détails. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Mais bien avant qu'on aille découvrir l'invité dans son fauteuil, on va découvrir en image, en quelques secondes, avec la complicité de la réalisation, voilà, les images de notre imam, on les découvre juste après. رب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام De retour sur le plateau avec notre invité qui est déjà en place, Imam Baki. Voilà, c'est le vrai nom, Baki, qui est avec nous. Bonsoir, Cheikh Imam. Bonsoir. Et je peux pas aussi dire comment vous allez. Je sais que vous portez bien, mais bienvenue dans notre émission. Elle est là. Merci beaucoup. Voilà. Je vous remercie. Je me porte bien. Voilà, vous êtes là avec vos enfants, mais les enfants vont essayer de vous bouger un peu dans votre fauteuil là. Avec, disons, les rubriques qui vont suivre dans cette émission. On a beaucoup de rubriques aussi à partager avec vous, en commençant par, disons, le parcours où on va vous poser des questions, le mieux comprendre, disons, votre vie intellectuelle, entre parenthèses. Et après tout, on va aller dans questions qui fâchent, où on va essayer de vous tutoyer, parce que vous êtes là, vous avez porté le chapeau de tous les imams de notre pays, le Togo. Tout ce que d'autres font, c'est bon ou pas, peut-être vous allez être à leur place ce soir pour répondre. Et vers la fin, on va jouer avec vous. Vous êtes prêts, imam? Prêt, à la grâce de Dieu. Fidèlement prêt. Ça va être simple. Voilà. J'espère bien qu'on a déjà balancé notre jungle qui annonce le parcours de l'invité et nos charmants ou l'équipe va s'en charger de poser des questions pour mieux comprendre comment l'homme a commencé pour se retrouver aujourd'hui là. Voilà. La première question, c'est Dixon. Oui. Oui. On commence. voilà, moi, déjà avec tout ce que Blandine vient de citer, tout ce parcours, tout ce bagage. Bon, si c'était moi, je ne marche plus, hein, c'est le sol qui me transporte. Ouais. Juste pour dire félicitations à notre imam. Et voilà, c'est quand même un long parcours. Maintenant, d'entrée en jeu, moi, ma question elle est simple. Avec ce parcours qu'on vient d'avoir aujourd'hui, est-ce que notre imam peut créer satisfaction de sa personne? Est-ce que notre imam est satisfait de ce parcours? Certainement. Mais avant tout, je commence par gloire à Dieu et donner l'invocation de la paix et la miséricorde divine au prophète Mohammed, paix et salut d'Allah soit sur lui. L'homme n'est jamais satisfait 100%, mais vu ce que
l'homme a pu faire. Et par rapport aux autres qui n'ont pas encore eu cela, je peux dire que je suis satisfait. Je remercie Allah le Tout-Puissant pour cela. Je suis satisfait. Ok, d'accord. Merci Jelly, si tu permets, voilà encore une autre question. Comment est venue la vocation de devenir un imam? Merci beaucoup. Je vous en prie. Tout d'abord, vous avez bien dit que mon nom c'est Imam Baki, Abdul Baki. Et dans l'état civil, c'est Mamadou Abdul Baki. Mais je fais partie d'une famille bien connue comme une famille qui a servi l'islam au Togo, la famille Bako de Sokoré. Et cette famille, pour ceux qui connaissent la famille Bako, savent très bien que mes arrière-parents sont les serviteurs du Coran. Donc jusqu'à mon père, que la paix d'Allah soit sur son âme, avait voulu de moi un héritier. Et peut-être ce n'est pas moi seul, parmi ses enfants, il a choisi ceux qui vont hériter le Coran. Vous savez très bien que lire le Coran pour pouvoir pratiquer le dogme et sa religion, c'est une chose. Et être spécialiste comme théologien, c'est une autre chose. Donc, nous tous, en tant que des filles et fils musulmans, nous lisons le Coran. Et, mais ceux qui se spécialisent dans le Coran, ils sont choisis dès le bas âge. Et Dieu merci, je fais partie de ceux qui ont été choisis par les parents pour hériter le Saint-Coran. Donc, Alpha lui-même, mon papa, avec ses frères, ses deux frères aînés, sont des serviteurs du Coran. Ils prêchaient, ils enseignaient le Saint-Coran. Et ils avaient aussi ce que nous appelons halaqa, les étudiants tout autour de lui. Ils leur donnent les leçons de toute discipline servant le Coran. Et à bas âge, à l'âge de 5 ans déjà, j'ai commencé à étudier le Coran, à apprendre le Coran. Et surtout, à l'époque, il y avait eu l'arrivée des Égyptiens qui ont ouvert des écoles à Lomé, Palmé, Sokolé. Donc moi, je fais partie de ces élèves-là qui ont commencé avec les Égyptiens à Sokolé. On peut dire déjà que ça a commencé très tôt. Et pourquoi avoir choisi d'aller faire la licence en Arabie Saoudite? Est-ce qu'il n'y a pas d'école en Afrique, au Togo? Pourquoi en Arabie Saoudite? On remercie Dieu que le Togo a eu la chance d'avoir les Égyptiens tôt, vers 1963. Bon, c'était sans nous. Oui. aussi... Ces trois écoles-là qui sont les vraies écoles qui ont fait sortir les enseignements islamiques de cadre de vestibule vers une école comme l'école moderne, c'est-à-dire commencer par CP1, finir jusqu'à DA, doctorat, voire même les spécialistes spécialisés dans des disciplines données. Donc nous sommes presque les pionniers de ces écoles-là. Et j'ai commencé CP1 à Sokolé. Il s'est fait que j'ai eu mon CPD, la classe de CM2, à Lomé, dans l'école de la grande mosquée actuelle, dont je suis directeur, Dieu merci. Donc après, il y a 3 années des études secondaires, voire le 6e, 5e, 4e, 3e. Et à partir des 3e, il n'y a plus de niveau du lycée au Togo. Il faut se déplacer forcément, soit
au Nigeria, soit en Égypte, soit en Arabie Saoudite. Bon, le destin a voulu que moi je sois en Arabie Saoudite, à Médine, c'était en 1979. Donc j'étais arrivé en Arabie Saoudite en février 1979. Certainement. Je ne parle plus, je n'entends pas. Là, j'ai commencé la classe de seconde dans l'université et j'ai eu mon bac dans même université et j'ai continué avec la licence. Et je crois aussi que c'est une licence qui s'étend en 4 ans. Donc, arrivé ici, on nous dit dans l'équivalence que c'est une maîtrise. Donc, j'ai fait la théologie, faculté de la théologie et les études islamiques dans la même université à Médine. Vous êtes passé par la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui vous ramène finalement au Togo? Certainement, je suis revenu au Togo tout d'abord en 85. Après mes études en Arabie Saoudite. Et là, et moi je peux dire que c'est le destin, parce que je ne sais pas pourquoi je suis reparti vers la Côte d'Ivoire. J'avais l'intention d'aller quelque part, en France, il y avait même le visa pour la France. Mais Dieu faisant, je suis parti en Côte d'Ivoire et je me suis fait bloquer là-bas. Et je crois aussi que ce qui me poussait pour aller en France, je l'ai eu en Côte d'Ivoire, à savoir le français que je suis en train de me débrouiller. Donc, j'ai eu une société où tout le monde se débrouille en parlant le français, mais il faut reconnaître bien que je suis bloqué en Côte d'Ivoire. Et en bon musulman, il faut accepter tout ce qui t'arrive et voir ça en bon côté. Je suis resté en Côte d'Ivoire et j'ai développé ce que vous venez de réciter tantôt. Et j'ai vu aussi que là, il a eu une évolution de ma part jusqu'à devenir même un traducteur à l'ambassade de la Libye. Mais il y a un événement majeur qui m'a fait revenir au Togo. Je venais quand même, mais je n'avais même pas l'intention de revenir m'installer au Togo. Mais il y avait un moment où j'ai discuté de l'Union musulmane avec un monsieur en Côte d'Ivoire. Il est venu au Togo, il a trouvé qu'au Togo, on s'apprête à organiser, élire un nouveau président de l'Union musulmane. Et il avait appris beaucoup de moi ce qui c'est l'Union musulmane. Et il est reparti en Côte d'Ivoire, j'ai travaillé à l'ambassade, me dire qu'au Togo, il y a quelque chose qui se passe là-bas. Et j'ai vu que ta présence est nécessaire, il faut venir pour. Et puis c'était à l'époque où l'Union musulmane était dans la main d'une manière ou d'une autre des ulémas togolais. Mais je ne sais pas, pour une raison aussi, il faut élire un nouveau président. Et je suis revenu. On a contribué dans des réunions, dans des travaux en commission, jusqu'à ce que on a élu le fait président Traoré Sakibou. Okay. En même temps, je reviens au Togo, je me retrouve encore RTE libyen parce qu'ils veulent un enseignant d'arabe dans les maisons qui va être en bilan dans leurs maisons. Et ils m'ont choisi pour cela. J'ai commencé ici, donc j'ai trouvé aussi que ça ne sera plus la peine de repartir vers la Côte d'Ivoire. Il faut rester au pays, voilà. Servir aussi. Et surtout qu'il y a des ambitions qui m'animaient. Et peut-être on arrivera à dire est-ce que ces ambitions-là, j'ai pu les réaliser. Peut-être la question qui fâche. Peut-être. Justement. Une autre question, rapidement. Voilà, tout à l'heure, quand l'imam parlait du fait que au Togo,
il a retrouvé presque ce qu'il cherchait en Côte d'Ivoire. Est-ce à dire que le Togo, sur le plan islamique, peut s'égaler à la Côte d'Ivoire, selon vous qui avez fait les deux pays? Est-ce que le Togo, sur le plan islamique, peut s'égaler à la Côte d'Ivoire? Pour le moment, à l'époque, le Togo est bien avancé islamiquement. Là, si on veut parler de l'islam et de connaissance de l'islam. En tant que des ulémas, à l'époque, il n'y a pas des ulémas, les spécialistes. Je vous donne l'exemple, lorsque nous étions en Arabie Saoudite, pendant que nous sommes une cinquantaine togolais, on trouve une dizaine d'Ivoiriens dans l'université islamique. Mais, tout récemment, j'étais en Côte d'Ivoire dans une conférence là-bas et j'ai retrouvé un pays, un Côte d'Ivoire très avancé parce que actuellement nous ne pouvons pas nous égaler encore. Continuez sur la population. Pour la population, bien sûr, les musulmans sont plus nombreux que les non-musulmans. Selon les statistiques. Ça, c'était comme ça, mais l'islam, c'est une religion qu'il faut pratiquer pas dans l'ignorance. Il faut connaître, il faut avoir des grands savants, des grands théologiens pour que l'islam soit propagé comme il faut. Voilà. Donc, de ce point de vue, à l'époque, dans les années 80-90, la Côte d'Ivoire est inférieure par rapport au Togo. Mais maintenant, j'ai remarqué dans le mois de février passé que les Ivoiriens sont beaucoup avancés. Voilà, je te dis que le parcours est encore plus large, plus que ça. Dans questions qui fâchent, on aura d'autres questions aussi qui vont nous amener à mieux comprendre, disons, le parcours de notre invité. Mais tout de suite, on doit faire une allusion par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays, le Togo, sinon dans la sous-région. On fait fi parfois aussi d'en parler, mais c'est l'occasion pour qu'on mette un peu de projecteur sur la religion musulmane. Est-ce être musulman est synonyme de djihadiste ou encore, quand on parle de djihadisme, c'est quoi en fait? Parce qu'il y a beaucoup de choses que les gens n'arrivent pas à maîtriser. Ils pensent qu'être musulman, il faut toujours aller tuer les autres au nom d'Allah. Cette histoire de djihadisme est un peu compliquée. On vous donne les versets et les hadiths du prophète Mohammed, paix et salut d'Allah, soit sur lui, comme quoi un musulman doit faire la djihad. Ça, on ne peut pas dire que il n'y a pas ces versets dans le Saint-Coran. On ne peut pas vous dire que le prophète n'a pas appelé à djihad. Mais qu'est-ce qu'est djihad? Le mot djihad, pour comprendre, il faut comprendre bien l'arabe. Et l'arabe, quand on dit le verbe jahada, le verbe jahada veut dire se forcer et aller au-delà de ton moi. Pour faire quelque chose au nom d'Allah ou bien... Se surpasser. Voilà, se surpasser vient, voilà le mot. Et ce n'est pas avoir une arme ou bien tuer qui est djihad. Le vrai sens de... Commence par toi, se surpasser, laisser tout ce qui est blâmable et essayer à tout prix de répondre à tout ce qui a été recommandé dans l'islam. Et surtout, vous savez très bien que l'islam, il y a des interdits. Et ces interdits, être humain que nous sommes, nous avons toujours la tendance de voir ces interdits comme c'est des choses qui sont aussi bon pour une personne, pour ça, quand il faut banaliser ces choses. Je vis, je fais ce qui me plaît. Le bonheur passe par exemple, excusez-moi, par
la prise d'alcool ou fornication ou bien autre chose, le vol, des choses que les gens ont tendance de vouloir faire. L'islam interdit. Mais c'est là, Jihad parle de ça. Commence par soi-même et essayer, quel que soit ce qu'on t'a interdit, de banaliser ça et laisser ça. C'est ça, Jihad. Mais nous avons aussi dans notre temps d'aujourd'hui, c'est que certains musulmans ont développé comme salafisme. Salaf aussi, en arabe, c'est des ancêtres ou des prédécesseurs. Et l'islam, les ancêtres de l'islam, c'est le compagnon du prophète et le prophète lui-même. C'est nos ancêtres. Et ils ont vécu dans une époque où toute la ville de la Mecque était hostile à l'islam. Laisser la Mecque, revenir à Médine, cette hostilité continue et ils sont venus les persécuter à Médine. D'où il est nécessaire de prendre les sabres pour se défendre. Voilà. Donc, leur époque avait imposé une manière de se défendre et de mettre tout autour de la ville de Médine, surtout, une atmosphère de la paix et de sécurité. De sécurité. Maintenant, dans notre temps d'aujourd'hui, où moi je suis dans un Togo où, bon, excusez-moi, même le plus haut responsable du Togo vient s'asseoir et nous voir en train de prier. Quelquefois, nous donner même ce qu'il faut pour accomplir notre religion. Nos obligations. Et pourtant, nous savons très bien qu'il est de notre religion. Et si je compare entre les deux sociétés, celle du Togo aujourd'hui, parce que nous vivons au Togo, il faut parler du Togo. Et à l'époque du prophète Mohammed, paix et salut d'Allah soit sur lui, la Mecque, on ne peut pas trouver la raison de faire comme des salafs, des ancêtres. Disons des barbares. Voilà. Et bon, peut-être, je ne peux pas les qualifier des barbares parce qu'ils se défendent, bien sûr, à l'époque. Mais celui qui prend une arme aujourd'hui, et je ne sais pas au nom de quoi, il prononce un Allah Akbar et tuer une autre personne. Surtout, remarquez très bien que c'est les musulmans qui sont la plupart des victimes. Des victimes. Et là, on ne peut pas trouver la vraie raison de jihadisme. Tout compte fait. Voilà. Il y a un verset coranique qui détermine qu'est-ce que c'est l'islam. Tout d'abord, le vrai sens de l'islam, c'est la soumission. La soumission à Allah. Nous avons aussi un autre verset qui nous dit de respecter Allah et respecter le prophète et les autorités de l'endroit où vous vivez. Et nous avons un verset qui détermine qu'est-ce qu'est l'islam. Lorsqu'on vous dit, excusez-moi parce qu'il faut que je récite le Saint-Coran avant de vous expliquer ça. J'allakum ummatan wastan litakunu shuhada ala nas. Dieu dit dans son Saint-Coran, c'est ainsi. Nous avons fait de vous une communauté de justes milliers. Ça veut dire, quand on vous appelle que vous êtes une communauté de justes milliers, ça veut dire que vous acceptez tout le monde. Et pour sinon si je vais vous prêcher ça aussi, je vais prendre tout votre temps. S'il y a un verset dans surat Tawba qui dit in ahadun min al-mushrikeena astajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah, lorsque
un associateur, c'est-à-dire un homme qui adore autre chose, pas Dieu, pas Allah, pas le Créateur. Il a une idole. Et lorsqu'il demande ta protection, c'est le Coran qui recommande les musulmans. Donne-lui la protection. Hatta yasma kalamullah. Le Coran dit que c'est cela qui va vous permettre de le faire entendre les versets coraniques. Voilà. Et avec peut-être l'amour. Et il va adhérer à l'islam. Voilà. Maintenant, si moi, je ne reste pas avec le même musulman, qu'il soit de quel bord, et puis, à chaque fois quand je le vois, il faut soulever une arme sur lui. Il faut qu'il ait peur de toi, comme quoi tu peux le tuer. Il n'a même pas la sécurité. Donc, est-ce que, si je me demande par rapport à ces versets, est-ce que c'est un musulman qui pratique l'islam? Non. Voilà. Parce que je ne donne pas la paix, la sécurité autour de vous, aux non-musulmans. Parce que le Coran nous recommande cela. Voilà. Pour qu'on puisse propager l'islam, il faut accepter tout le monde. Voilà. Il faut être avec tout le monde. Il faut côtoyer tout le monde. Voilà. Il faut faire de tout le monde ton ami. Et puis, l'être humain, on dit quelque part que l'être humain est un animal, excusez-moi, social. Parce qu'on peut être dans une maison avec un chien plus de 10 ans, même s'il ne voit pas ses semblables, il est content de vous. Mais quand tu détiens une personne, même quelquefois de par sa faute, 24 heures qu'il ne voit pas l'être humain, tu vois qu'il commence à se sentir mal. Voilà. Donc, l'être humain, c'est un animal social. Nous avons besoin de tout le monde. De tout le monde pour vivre. Pour vivre. Voilà. On a besoin de tout le monde pour vivre et nous avons compris que véritablement, et tous ceux qui aussi font ça au nom de l'islam et tous ceux qui font ça au nom d'autres raisons, ce temps est révolu. On ne peut plus tuer maintenant à cause de l'islam, s'il vous plaît. C'est l'occasion aussi de s'incliner devant la mémoire de ces frères d'armes ou bien de ces militaires qui sont tombés il y a de cela quelques jours, ces frères militaires togolais qui sont tombés. Et leur Dieu aussi paix à leur âme. Et ils ne sont pas aussi morts pour rien. Ils sont morts pour la défense de la patrie. Et qu'Allah les assiste là où ils sont de l'autre côté. La suite de l'émission, mesdames et messieurs, c'est donc une autre rubrique. La rubrique aussi que vous aimez, vous qui êtes à la maison. On va faire fâcher l'imam parce qu'il a porté le chapeau de tous les imams de notre pays de Togo. Il va répondre aussi à ces questions. On va aller découvrir le jungle. On se retrouve juste derrière. On doit y aller, mais bien avant que l'imam se fâche, on a essayé aussi d'aller dans la rue avec notre frère Dixon, qui a essayé d'avoir d'autres mots par rapport au comportement des imams, ou bien qui est vrai et qui est faux des imams. La population s'est prononcée, on va les écouter avec ce micro-trottoir avant de commencer par bombarder ces questionnaires à notre invité. Très bien, et vous? Ça va très bien. Comment vous appelez? Omaric. D'accord. Tonton Omaric. Alors, la question d'aujourd'hui est simple. Comment reconnaître un vrai imam d'un faux imam? Bon, pour reconnaître un faux imam, oui. J'ai dit que les Aladis. Ok, ok. Et un vrai imam, eux, ils sont sages. Ok, les vrais imams, ils sont sages, autant pour moi. Et les faux, escroquent les Aladis. Oui, c'est ça. Ok, est-ce que tu connais un Aladis qui a déjà été escroqué ou comment? Bon. Moi, je connais pas. Hein. Tu connais pas, mais tu entends dans les rumeurs que les Aladis se font escroquer. Ouais. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Ce soir, nous aurons un Aladi en plateau. Autant pour moi, un imam en plateau. Qu'est-ce que tu as à lui dire? Quel message tu peux le passer? Un imam. Courage aux imams dans tout ce qu'ils font. Et plus de bénédictions. D'accord. Courage aux imams et plus de bénédictions dans ce qu'ils font. Notre internaute tout à l'heure. Encore avec un autre tonton sympathique. Bonsoir tonton. Très bonsoir. Comment vous allez? Bonsoir. Moi je suis Dixon et vous? Marco. D'accord. Alors la question du jour est simple. Comment reconnaître un faux imam d'un vrai imam? Bon, moi je dirais bon. Pour reconnaître un faux imam, c'est simple. Oui. Bien un jour,
il y a certains imams qui prennent tout là et leur c'est ça, Bouta, oui, oui, ouais, c'est ça. Le truc dans lequel il y a de l'eau et ça, ils font la bûche avec. C'est ça, ouais, c'est ça. Ok. Et ils mettent tout là, du tchoukoutou, tchoukoutou. Ils mettent tchoukoutou dans du bouta. Ouais, la boisson locale, tchoukoutou. Ok. Je parle bien du tchoukoutou, hein. Non, non. Mais les musulmans ne sont pas censés boire. Effectivement. Et là, on parle d'un imam. Ils font ça en cachette. Ok. Et puis, on va faire le truc à la mission, on va faire ça, ça dit ça que c'est la mission sur toi. Ok, 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 non. Ok, ok, d'accord, je vois. Tu vois, non. Wow. Mais, donc, mais la plupart, avant de faire la mission, ils rentrent dans la douche. Oui, oui. Pour faire la mission, c'est pour bien qu'on fait tout dans le bail. On se connaît, on les connaît. Ok, ok. On les connaît. Ok, d'accord, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres caractères pour les reconnaître? Ouais. Il y a d'autres aussi qui appellent des enfants. Des enfants comment? Des filles quoi, des jeunes filles. Ah, des jeunes filles. Ouais, des jeunes filles toutes fraîches là. Toutes fraîches. Ouais, okay. Bien fraîches là. Mais ils font quoi avec? Il y a des gens qui veulent parler de bon, la parole de Dieu aussi. Mais oh, c'est faux. Ok. Comme tout ça. Genre qui veulent leur montrer comment maîtriser le Coran. Ouais. Mais c'est pas ça en fait. Ce n'est pas cours de Coran. C'est pas ça. Merci beaucoup. Maintenant, comment reconnaître un vrai imam? Bon, pour reconnaître un vrai imam, personne. Bon, il y a certains imams. Chaque temps, c'est le courant. Oui. Chaque fois, c'est le point. Oui. Là, il y a chaque temps. La méditation. Ouais, à la mosquée, quoi. D'accord. Chaque temps avec le courant, chaque temps à la mosquée. Chaque jour, genre, ils n'ont même pas le temps. Ok, ok. Le okay. Temps, c'est. Consacré à la mosquée. Le courant, voilà la vie de nos amis qui sont en train de nous suivre également à la maison. Mesdames et messieurs, c'est votre émission, on est là et nous allons continuer. C'est leur avis, je dis bien, on doit respecter ça. D'autres pensent que quand certains imams tiennent des boutas, c'est pour mettre du tchoukoutou dedans et se cacher. Il y a d'autres aussi qui se cachent derrière l'apprentissage du Coran pour fouetter les petites dans les coins. Tant mieux, on ne sait pas, c'est eux. On doit respecter ça. Et on commence comme ça, les questions qui fâchent. Mais permettez aussi que je commence. N'est-ce pas? Ok. On commence avec cette question. On sait bien que la plupart des projets arabes qui viennent dans notre pays du Togo, ce sont des imams qui coiffent, disons, ces projets. Mais pourquoi on doit toujours nous amener des mosquées? Pourquoi on doit toujours nous amener des trucs qui ne sont pas, disons, à consommer dans l'immédiat? Pourtant, il y a des projets qui valaient mettre en place où on peut embaucher la jeunesse, où on peut prendre des jeunes mieux fonctionner avant de gagner. Mais on remarque qu'on nous amène des mosquées, parfois même où on n'arrive même pas à prier là-dedans. Mais pourtant, il faut manger avant de prier. Imam. Merci beaucoup. Mm. Vous avez commencé par une question très pertinente. Mm. Parce que les Arabes envoient des choses. Quelquefois même c'est des fonds pour vous laisser le libre choix pour que vous achetiez ce que vous voyez que votre société a besoin. Et si j'ai pu comprendre votre question, pourquoi n'a pas transformé ça voilà. En société, en quelque chose de social? Et ce que je sais, et qu'il y a dans les dons des Arabes, il y a deux types de dons. Là où le prophète a parlé de construction d'une mosquée, et cela donne le paradis, l'accès au paradis à chaque fidèle qui a construit une mosquée. Donc là, tu trouves que c'est un problème spirituel, bien que c'est aussi social. Non, chacun cherche le paradis. Oui, mais c'est aussi social parce que les musulmans s'y trouvent. Quelquefois, la mosquée sert à la célébration des mariages, des baptêmes des enfants, et quelquefois même de réconcilier les fidèles. Des couples, disons. Ouais, des couples. Donc, mais la mosquée, en tant que le lieu de culte, elle sert dans un premier temps comme un lieu de prière. Là, on ne voit pas social là-bas. Mais les gens veulent construire une mosquée parce que le prophète a dit quiconque construit une mosquée ne serait que d'un
de volume de nid d'un oiseau, il aura sa place au sein du paradis. Sein du paradis. Mais imam, mais c'est, on vous écoute. On sait bien que tout le monde aussi est à la conquête de ce paradis. Mais un père voit des fidèles qui va dans cette mosquée construite avec beaucoup de fonds, mais qui n'a même pas peut-être quelque chose pour mettre sous la dent avant de venir prier. Mais on sait bien que quand il est pauvre, excusez-moi, à ce que Allah accepte vos prières, c'est difficile parce que tu es en train de prier, tu n'es pas concentré, tu penses à quoi manger. Est-ce qu'il n'est pas question de vous converger, vous les imams, vous qui avez cette opportunité d'avoir ces contrats-là, de voir quoi faire à la place de quoi? Mais il faut remarquer aussi qu'il y a les actes sociaux dans ça, parce que quand on parle des orphelinats, il y a parmi les imams ceux qui hébergent les orphelins et qui s'occupent d'eux, de ça aussi dans, par centaines, voire même milliers. Il y a, je ne peux pas nommer les associations qui font cela ici, mais il y a aussi ceux qui aident les élèves dans l'achat des fournitures. Il y a, quand tu remarques certains nombres de choses, surtout les forages, d'ici là, tu vois que c'est aussi social parce que l'homme a besoin de l'eau pour vivre. Mais quand on parle de quelqu'un qui rentre dans une mosquée qui a faim, on ne peut jamais de mettre 100% les gens à l'aise. Voilà. Et celui-là, peut-être, ce n'est pas encore arrivé son temps de l'aider, peut-être. Sinon, on fait ce qu'on peut. Les imams font ce que je ne refuse pas. Il y a certains imams aussi qui ne le font pas. Ils prennent l'argent, les fonds de l'Arabie, mais ils ne le font pas. Ils bouffent, nous savons. Voilà. Certains. Mais heureusement, ils ne sont pas, Nombreux. Voilà. On continue bien avant. Il y a une autre question. On sait que Imam Baki est membre de l'Union musulmane, mais une structure, bien le bureau intérimaire qui dépasse plus de 10 ans, à quand les élections, ou bien vous êtes là pour toute la vie? Bon, je dois rectifier ça. Je ne suis pas un membre de l'Union musulmane. En tant qu'un membre de bureau de l'Union musulmane, je ne suis pas un membre. Mais vous êtes là aussi pour s'en charger des affaires matrimoniales. Oui, vous faites partie du bureau. Oh bon, peut-être, mais peut-être au plus bas du bureau, je ne sais pas. Le bureau, c'est un bureau. Ok. Voilà. Mais moi aussi, je me pose cette question dont tu m'as posée. Parce que, naturellement, le mandat de président de l'Union musulmane, je crois, c'est 5 ans. Et à chaque 5 ans, il faut renouveler. Mais souvent, on dit aussi qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Mais parfois, il faut le faire pour l'assentiment des autres. Maintenant, moi et toi, nous devons nous demander, est-ce que cette équipe gagne? C'est pourquoi on ne l'a pas changé. Parce que vous gagnez. Non, elle gagne. Elle fait gagner l'islam. Ce n'est pas une chose individuelle. Ça aussi, l'islam et émerge surtout. On vient d'aborder le problème de l'insécurité. Justement. C'est à partir de là que des choses se déterminent. Dans notre Togo d'aujourd'hui, voire même dans sous-région, vous ne faites pas attention et vous confier l'islam à quelqu'un qui ne maîtrise pas une tendance, vous ne faites pas attention, votre pays va se basculer dans la violence. Donc on préfère rester comme on est pour mieux conserver les choses. Voilà. Sinon, nous avons des tendances qui ont poussé vers cette violence que vous voyez aujourd'hui. En tant que des musulmans, nous connaissons très bien certains. Voilà. Et une fois l'islam dans leurs mains, ou bien ensemble des imams, ou une majorité des imams sont dans ce sens,
ça peut créer des problèmes. Voilà, vous permettez également. On sait que vous êtes des héritiers du prophète, mais pourquoi tant de guerres entre vous, les imams du Togo? Pour le moment, je ne sais pas s'il y a une guerre entre des imams du Togo, mais comme tu dis, je ne peux pas te contredire. Quelle est la nature de cette guerre, d'après vous? C'est-à-dire, le problème de leadership. Je crois que ça, c'est aussi la nature d'être humain. Quand vous vous trouvez dans un groupe donné, il faut toujours quelqu'un qui va vous diriger. Voilà. Et on ne peut pas être deux à diriger. Il faut il a joint. Et si ça arrive que les deux veulent la même place, ça crée des problèmes. Il faut. D'où on constate ces soucis. C'est peut-être à partir de là que vous constatez qu'il y a une des soucis entre des imams. Voilà. Mais... Autre question. Voilà. Me basant peut-être sur l'avis d'un interlocuteur tout à l'heure, qui parlait de les imams escroquent les aladis. Moi, je veux parler du côté financier. Nous savons tous que vous venez de le dire, les imams, c'est pas eux tous qui escroquent ou qui profitent des fonds que l'Arabie Saoudite envoie, tout ça. Maintenant, les imams qui sont clairs, qui sont nets, ils trouvent leur argent où? Ils portent des bazins riches, je ne refuse pas. Bazins très riches. Très riches, super riches. Parfois même, tu vois, l'huile descend dessus. Voilà. Ils ont des grosses bagnoles, toujours climées. Oui. Bon, je sais. L'argent est d'où? Dites-nous. C'est pas l'argent seul qui fait vivre bien. Mais l'argent fait peut-être le bonheur. Peut-être, mais pas l'argent seul qui fait vivre bien. D'accord. Quand tu vois quelqu'un dans... une grosse bagnole et peut-être il n'a pas 100 000 francs à la maison parce que la bagnole c'est un très riche qu'il a moi je peux être clair, j'avais roulé une Benz jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas qui me l'a offert parce que c'est les clés qu'on m'a donné gratuitement parce que même une petite histoire. J'ai fait appel à mon cousin de descendre conduire cette voiture si c'est une voiture. Il m'a donné la clé. Mais je ne sais pas si c'est une vraie voiture. Parce que ça arrive qu'on te donne tout ce dont tu as besoin, mais tu n'as pas de l'argent. Mais quelquefois aussi, lorsque on te donne, par exemple, 1 million de l'Arabie Saoudite par un riche saoudien qui veut aussi, lui aussi, bénéficier de récompenses divines et qu'il te dit, avec 1 million, il faut construire un puits. Tu viens, tu construis un puits avec 600 000. Et les 400 000... C'est pour toi. Ça doit être pour toi, naturellement. En faisant ce qu'il a demandé, tu as eu la sueur toi aussi. Ce ne sont pas des surfacturations. Donc, souvent, ce n'est pas surfacturation. Souvent, c'est parce que certaines choses restantes sont les imams. Mais si je revois certains imams, c'est la population togolaise qui sont satisfaits de certains imams et on leur donne des cadeaux, des choses, des cadeaux, voilà. On les met à l'aise. Oui. Une autre question? Moi, je vais parler du maraboutisme dans l'islam. Donc, je ne sais pas, je veux demander, je veux comprendre. Est-ce que l'islam rime avec maraboutisme? Est-ce que les imams sont forcément des marabouts? Il faut faire beaucoup de choses pour ce mot marabout, je ne sais pas ses origines. Mais en cherchant, j'ai trouvé, je tombe sur un mot arabe qui ressemble un peu à ce mot marabout. Morabit. Morabit, en arabe, c'est celui-là qui reste aussi longtemps invoqué Allah. Il est assis, lit le Coran, tel que un de... téléspectateur a dit qu'il y a des bons imams qui restent toujours dans les mosquées et lire
le Coran. Lui-là, on peut l'appeler en arabe un murabit. Peut-être, et tous les musulmans savent très bien, qu'en lisant le Coran régulièrement, quotidiennement, il suffit seulement de soulever ta main et demander à Allah quelque chose. Ça se réalise. En 90%, ça se réalise. Justement. Et lorsqu'un murabit est un vrai murabit, quand on vient chez lui, lui demander d'invoquer pour tel problème ou tel problème, il invoque et ça se réalise également. Je crois que c'est à partir de là le mot de marabout s'est collé aux imams ou bien aux savants musulmans ou aux musulmans d'une manière générale. Voilà. Mais maraboutisme aussi a trouvé un autre chemin qui peut-être l'idolâtrie a s'est infiltré dedans et on ne peut plus connaître qui est qui maintenant. Donc les vrais imams ne font pas ça en fait. Je ne vois pas un vrai imam qui a besoin d'aller. Voilà, très taronné. Je vois à partir du moment où il a un Coran, il lit le Coran, ça suffit là. Voilà. Okay. Notre temps aussi file pratiquement, mais on doit jouer aussi avec l'imam. Et il y a d'autres questions qu'on met sans jachère en off. Il y a les internautes aussi qui nous envoient des questions qu'on va vous poser peut-être en off pour faire le direct sur notre page Facebook. On est là, ou à la page TV de Togo. Et on va continuer cette émission en 5 minutes pour terminer. On va jouer avec vous. On va vous balancer les images à l'écran. Vous allez nous donner les noms et on verra quoi faire. Notre jungle est sans jeu, on se retrouve juste derrière. Tout et pour tout, 6 images. On commence avec la toute première qu'on voit à l'écran. Imam, vous allez nous donner, vous reconnaissez ce monsieur ? Le Imam Abdelatif Mako. Voilà. De Mosquée Abdallah de Makwe. Justement. La seconde image, rapidement. Plus deux. Ça fait 2 points. Si vous trouvez la bonne réponse. Ça fait 2 points. Déjà. Son nom m'échappe là, mais c'est quelqu'un que je connais. Je vais prendre 2 points. C'est chef spirituel de team. Oui. Ça le sou. Non. Ok. Ça fait moins 2. C'est Imam Hassan Mola de Sokodé. Non. Ça fait moins 2. C'est lui, je ne le connais pas. Voilà. Okay. Moins 2. Et celle-ci, c'est cette image. C'est Sami Karim. Oui. Il est quoi? Mon collègue de Mosquée Centrale. Oui, l'imam principal. Il est vice-président de l'Union musulmane. Chargé de Imama. Oui. Et Dawa. Voilà, c'est lui qui tranche souvent. Oui. La quatrième image, rapidement. Lui. Notre commandeur des croyants. Voilà. Amir al-Mu'minin, Mohamed VI. Oui. Roi du Maroc, qu'Allah l'assiste et qu'Allah lui donne l'éclatante victoire. Et je rappelle aux téléspectateurs que vous représentez valablement ce roi au Togo, d'où la fondation Mohamed VI. Ouais. Ici à l'Ouest du Togo. Il est le commandeur des, des croyants. Voilà. Donc, je représente le roi. Par le biais des imams. Justement. Ce n'est pas politiquement, c'est... Justement. Et celle-ci, cette image? C'est notre président de l'Union musulmane, Al-Hajj Traoré Ibrahim Younoussa. Justement. Le président de l'Union musulmane par intérim. Par intérim. Voilà. Qui fait plus de... Combien d'années déjà? Et celle-ci, l'image-là, on vous voit en chapeau rouge. À côté de vous, on voit le président de l'Union musulmane. Il y a un autre chef que je ne connais pas. Qu'est-ce que Estantela, le président de la République, vous disait? Estantela. Est-ce que retrouvez-moi après à la présence pour des chefs ou quoi? Non, c'est pas ça. Nous sommes dans un cadre religieux. Et le jour-là, c'était le jour de la Tabaski. Il a assisté à la prière. Il nous a donné les nattes pour les mosquées dont on a brûlé et des copies du Saint-Coran. Et là, il nous parle de sa compassion, son attachement à la paix dans ce pays. Et c'est ce que... Et pour terminer, c'est sciemment aussi on a choisi cette image avec la question qui va terminer cette émission. D'aucuns pensent que l'Union musulmane est politisée au Togo. Vous terminez avec ça. J'ai eu la chance
d'être souvent avec le président de l'Union musulmane. Et je trouve aussi qu'elle n'est pas politisée. Seulement. Mais elle respecte les règles et la loi du pays. Elle respecte les règles et la loi du pays. Et c'est elle qui en bénéficie beaucoup. Parce qu'elle est protégée dans le cadre comme ça. Justement. Merci beaucoup à vous, Dixon, d'être en plateau avec nous. Merci, Jenny. Mon mot de la fin, rapidement. Rapidement, merci à l'imam Tchekbaki. Un réel plaisir. Voilà. Juste à cause de l'histoire de la Mercedes-Benz, je vais songer peut-être devenir musulman aussi. Oui, on va t'offrir un cadeau un jour. Une Range Rover, s'il vous plaît. Justement. Et toi Merci. On termine rapidement. Merci à l'imam. On l'a écouté religieusement. J'ai appris beaucoup de choses sur l'islam aujourd'hui. Merci à lui, merci à vous de m'avoir accompagné aussi. Et merci à tous nos amis téléspectateurs. On se retrouve le samedi pour un nouveau numéro de On est là. Voilà, l'imam, merci d'être en plateau avec nous. Merci infiniment. On va se retrouver dans le couloir tout à l'heure. Mesdames et messieurs, c'est donc fini votre émission. On est là de ce soir. Nous avons aussi ce plaisir ou l'honneur aussi d'avoir en plateau avec nous le second imam, entre parenthèses, de notre pays de Togo, sinon le plus reconnu, le plus beau d'ailleurs de notre pays de Togo, Imam Bak, qui était avec nous. C'était un plaisir partagé avec vous qui êtes à la maison. J'espère bien qu'on va se retrouver prochainement pour d'autres aventures plus fort, plus loin. À la prochaine. Bye bye.